Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, merci d'être venus si nombreux. On a refusé des quarts de Belges. Voilà, les Japonais, tout ça. Alors, vous observerez qu'il y a un changement de paradigme. Avant, quand on disait des femmes et du vin, ça faisait venir les mercenaires de toute l'Europe. Et désormais, plus rien à foutre de rien, apparemment, puisque il y a un peu moins de monde que d'habitude. Donc, cette soirée s'intitule techniquement « Le vin, une boisson d'homme ». J'ai connu une Polonaise qui en buvait au petit déjeuner. Hashtag référence les tontons flingueurs. On va passer rapido sur le côté macho. Ouais, quand il faudra porter quelque chose de lourd, on en reparlera. Mais il faut dire ce qui est. Nous, les représentants du patriarcat vineux, nous ne sommes plus chez nous, puisque de plus en plus de femmes, bon, quand elles étaient infirmières, ça allait, mais si elles se mettent à la vigne, ça va plus. Oui, je suis représentant d'Éric Zemmour aujourd'hui. Je m'en vais. Et donc, comment ce métier s'est transformé et comment les femmes sont à tous les niveaux de la production, de la vente et de la communication sur le vin. Et elles le font aussi bien que les hommes. Et c'est à en devenir gênant. Mais pour justifier ça, je rappellerai que mon vieil ami Dionysos était en permanence suivi par des médades. Donc le vin a été très tôt suivi par les femmes. Mais si on prend la Bible, c'est une histoire d'hommes très rapidement. Donc, chez les Gréco-Romains, la femme est présente et bien soulignée dans le vin. Dans la religion judéo-chrétienne, et surtout depuis saint Paul, elles ont qu'à bien se tenir. Voilà. Et je rappelle que la découverte du vin s'est faite par Noé, qui, buvant des raisins fermentés, s'est saoulé. Et son fils Cham, le trouvant nu et ivre, ses enfants sont devenus noirs. Alors bon, après, ça n'est pas moi, je le rappelle, c'est la Bible. Hein. Moi, j'écris d'autres bouquins, mais pas ça. Voilà. Alors, on va revenir aux femmes. Donc, je vais me tourner par Frédéric Vaquet du Noben Vaquet. Donc, ça doit être le truc qu'elle a, elle, à elle. Donc, qui est vigneronne. Oui. Et comédienne, j'ai cru voir aussi. Par moment. Aussi. Voilà. Donc, tu te présenteras après. Y a-t-il des comédiens dans la salle? Je passe. Oh. Ah, mon Dieu. Donc, à Gaëlle Roland. Gaëlle Roland. Des caves de Casse de Peine, qui en est la dynamisatrice. Voilà. Et Sylvie Aguirre, qui a un blog qui s'appelle Le vin compté aux femmes. Alors, je rappelle que compté ne s'écrit pas avec un P, parce que vous n'aurez pas à payer après, mais qu'on raconte hein, aux femmes. Hein, voilà, parce que un type qui avait fait l'événement sur Facebook, événement où 30 personnes ont prétendu qu'il serait là. On les retrouvera, on a les noms, et on les fera abattre par des Russes. Non, mais il faut montrer qui est papa, parce qu'au bout d'un moment, ça va un petit, et puis 40 qui ont dit peut-être, alors on sait ce que vaut leur peut-être. Je ne suis pas énervé, mais à un moment donné, il ne faut pas me chauffer. Alors, on va commencer par Frédéric, qui, j'allais dire, est à la base de la chaîne, puisque tu fais pousser des raisins. Tu les fais fermenter et tu les sers, tu les mets en bouteille, plus en amphore. Alors, Frédéric, est-ce que petite, au lieu d'être infirmière, tu voulais être vigneronne ou... Non, pas du tout. Petite, je voulais être prof de sport et j'ai loupé le concours. Donc voilà, il a fallu que je me recycle. Et j'avais la chance d'être d'une famille d'amateurs de vin, de bourguignons amateurs de vin, pas de vignerons. Mes parents n'étaient pas vignerons, mais avaient énormément d'amis qui l'étaient. Et j'ai fait mes armes au pommard. Je crois qu'il y a pire pour commencer à goûter du vin. Ce qui fait que le côté les femmes qui aiment que les vins souples, que les vins blancs, que les vins. Ben voilà, pommard rugien. C'était mes grandes références gustatives et c'est autre chose que du vin souple et du vin blanc. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de type de vin aimé par les femmes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de type de vin vinifié par les femmes. Puisque, donc voilà, oui, je suis vigneronne voilà. et accessoirement œnologue aussi. Je ne fais pas pousser de vigne. Ouais. Je laisse la vigne pousser sur le terroir où elle a été plantée il y a plusieurs générations.
Et ensuite, j'essaye de laisser venir la nature le plus possible pour arriver à des vins qui sont le plus proches et du terroir et de ce que j'ai envie après de donner au niveau de la structure et de la texture. Donc, pour illustrer, on va dire, le thème de ce soir, j'ai choisi d'amener deux cuvées en rouge, d'amener aussi bien une cuvée très jeune, 2015, sur le fruit, très rond, très gouléant, facile à boire, ce que j'appelle le vin plaisir, le vin croquant, vinifié par une femme, et d'amener une cuvée un peu plus âgée, de 2013, structurée, puissante, avec du tanin, de la matière, aussi vinifiée par une femme. Et j'ai des amis, eux, qui apprécient l'un énormément, et d'autres qui vont apprécier l'autre. Donc, après, je ne sais pas comment on va organiser le débat, ni comment on va discuter de ce qu'est un vin de femme ou de ce que font les femmes et le vin. Mais j'ai quand même l'impression que le fait d'être une femme est une subdivision du fait d'être un être humain, tout simplement. Alors, toutes les femmes n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes goûts, de la même manière que tous les êtres humains n'ont pas les mêmes goûts ni les mêmes envies. Mmh. Donc, on peut lancer le débat, mais je préfère dire dès le début qu'il y a quelque chose qui m'agace, c'est quand on me demande « Et vous, en tant que femme, qu'en pensez-vous de ce vin ou d'autre chose ?» D'accord. En tant que femme, en tant que personne entière, sachant réfléchir et ayant des goûts et ayant une histoire, j'en pense ça. En tant que femme, on est dans un pays et dans une civilisation, nous, françaises, enfin perpignanaises, françaises et habitantes de l'Europe, où le fait d'être une femme est une chance par rapport à d'autres pays, mais ne va pas être quelque chose de vraiment à mettre en avant pour moi. Candidate suivante, et donc, tu étais caviste enfant, tu es devenue dynamisatrice de la cave coopérative de Casse de Peine. Alors, ton rapport au vin, quand est-ce que tu as commencé à picoler enfant? Alors, je ne suis pas née caviste. D'accord. Moi aussi, j'avais des rêves complètement qui n'avaient rien à voir. Je voulais être sauveteur de mer. Ouais. Non, ouais, parce qu'elle est bretonne. Hein. Malibu, je crois. Voilà. Voilà, je crois. Je voulais porter un maillot rouge et puis courir sur les plages. Ouais. Qui n'a pas voulu moi-même. J'ai... Et sauver des beaux jeunes hommes. Donc du coup, c'était pas du tout prémédité parce que dans ma famille, personne n'est né dans ce milieu-là. Mis à part qu'on est breton d'origine, peut-être qu'il y a, quelque chose qui en ressort. C'est suite à un stage à la cave qui est bien connue d'Ombrial. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les vins. Ça a été une révélation en fait. Et donc de là, j'ai étudié les vins que j'ai voulu connaître davantage. Et de fil en aiguille, en occupant différents postes, toujours dans ce milieu-là, j'ai de plus en plus ce contact qui me plaît avec ce produit, quoi. On ne vend pas du vin comme... pour moi, on vend du rêve. Voilà. Ouais. C'est vraiment, au-delà d'un liquide, c'est vraiment un travail, comme fait ma collègue, qui doit être mis en valeur. C'est un moment de plaisir qu'on recherche de plus en plus. C'est tous les sens qui s'éveillent, les papilles. Tout est en éveil dès lors où on déguste un bon vin. Et moi, c'est ça que je mets en avant. Donc effectivement, par rapport aux femmes et aux hommes, je pense qu'on a tous les sens, que ce soit un homme ou une femme, qui ont cet éveil. Hein. On est tous égaux par rapport à ces sentiments. C'est l'émotion, et on en ressent tous. Hein. Donc que ce soit un homme ou une femme. Mmh. Voilà. Il faut savoir peut-être que la femme a... peut-être plus alors je vais me mettre un petit peu en avant. Ouais. Non pas que je sois féministe du tout. Non mais vas-y, lance-toi. Mais c'est vrai que je pense qu'on a une approche plus peut-être plus raffinée, ce côté un petit peu plus fin. Ouais. La femme a du goût, l'homme est alcoolique, c'est ce que tu essayes de non, dire. Non, pas du tout. Mais je pense qu'on a plus de sensibilité. Ça se voit dans l'émotion, ça se voit dans la démonstration.
Et puis, donc ça se voit aussi dans la dégustation, je pense. Donc, alors, on a deux théories. D'un côté, elle est dans la théorie du genre, Frédéric, enfin, si je puis dire. Et toi, tu dis, oui, femme et homme, c'est différent. Alors, au départ, je dis que, oui, on est égaux par rapport aux émotions. Mais peut-être qu'après, c'est peut-être plus affirmé, plus finement... ressenti par une femme. Après, voilà, c'est ma perception, mais après, on est égaux. Alors, on va trancher avec Sylvie Aguirre. Alors, Sylvie Aguirre a commencé dans le vin. Elle a bossé au Pôle emploi. Elle s'est remise à boire après. Enfin, à déguster. Enfin, elle a dégusté, hein, faut dire ce qui est. Quand on est licencié, en général, on déguste toujours. Donc, elle s'est dit quitte à déguster, autant que ce soit du vin. Elle remercie M. Pujol. Enfin, bon, bref. Donc, comment tu en es arrivée au vin, Sylvie, avant de t'y remettre, si je puis dire? Moi, en fait, dès mon plus jeune âge, on va dire, voilà. Pour le coup, c'était ma première ambition. À 15 ans, je savais que je voulais être sommelier, donc parce qu'on était dans une famille déjà de vignerons. On a toujours aimé manger, donc le vin, c'est quelque chose qui complète parfaitement. Donc c'est vrai que dès mon plus jeune âge, j'avais cette envie de devenir sommelier. Donc j'ai fait les études pour. Et je dois dire que c'était un peu compliqué, effectivement, parce que c'est un milieu quand même assez fermé. Et quand j'ai commencé, il y a quelques années... ça l'était encore davantage, donc les sommeliers dans des grands restaurants, c'était un petit peu compliqué, donc effectivement, ça demande de se battre, ça demande de prouver toujours un peu plus. Donc, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la dégustation, j'aurais tendance à dire que effectivement, il y a des différences, pas dans le choix des vins, pas dans le goût, il n'y a pas de vin pour les femmes et des vins pour les hommes, il n'y a pas, on va dire, de choix spécifique des femmes à aimer certains vins plutôt que d'autres. Par contre, dans la dégustation, on se rend compte que d'abord, il y a une approche beaucoup plus simple et plus saine, on va dire, en tout cas dans le milieu des sommeliers. Les femmes ont une approche plus directe et ont moins besoin de s'environner, voilà, de créer un environnement très technique, un peu élitiste. Je pense qu'on a quand même une approche plus simple et on va effectivement plus rapidement dans le partage et l'envie, voilà, de faire plaisir aux gens. On a aussi peut-être dans notre façon d'appréhender les odeurs, parce que la dégustation, c'est en priorité la mémoire olfactive, c'est-à-dire mettre un nom sur une odeur. Alors, est-ce qu'il y a des études qui ont été menées qui disent peut-être effectivement le fait de l'environnement régulier, des arômes, que ce soit au niveau du jardin, des fleurs, que ce soit dans une cuisine, les épices, font qu'on met plus rapidement un nom sur une odeur. Donc c'est vrai que ça nous facilite aussi la dégustation, puisque c'est en grande partie le nez qui va faire cette dégustation. Donc c'est vrai que c'est un plus, généralement, pour la femme. Mais par contre, après, effectivement, le choix des vins, c'est pareil, je me suis un petit peu documentée, histoire de ne pas arriver les mains vides. La plupart des femmes préfèrent le vin rouge, comme les hommes. Voilà. Donc il n'y a pas, on ne va pas dire les femmes c'est plutôt du vin blanc, c'est plutôt du vin rosé. Non, la majorité des femmes préfèrent le vin rouge. La différence, elle va plus se faire au niveau de l'apprentissage et donc plutôt de l'âge. C'est-à-dire que quand on est jeune, on va avoir besoin de créer cet apprentissage de la dégustation, donc d'aller sur des vins assez accessibles, faciles à déguster. Et que progressivement, au fur et à mesure de cet apprentissage de la dégustation du vin, on va aller peut-être vers des vins plus complexes et plus difficiles à analyser et à apprécier. Donc effectivement, on a tendance à dire qu'on commence par des vins blancs pour aller vers des vins rouges, on commence par des vins moelleux avant d'aller vers des vins secs, et on va commencer par des vins souples et assez goulayants avant d'aller vers des vins plus tanniques. Voilà. Donc cette évolution se fait au fur et à mesure de l'apprentissage, mais a priori n'est pas vraiment liée au fait qu'on soit un homme ou une femme. Voilà. Alors, on retourne vers Frédéric. Je te tournais le dos, mais c'était rien de personnel contre toi. Tu vois. Alors, la question, c'est que le métier s'est transformé de toute manière en 20 ans. En 20-30 ans, c'est un métier qui a beaucoup évolué, puisque le type de production... Avant, on donnait de la villageoise au poilu pour qu'il charge à la baïonnette sur les Allemands en face. Et maintenant, on les invite à venir dans les caves pour boire quelque chose de meilleur. Et par ailleurs, avant, il y avait peu de femmes qui travaillaient à part comme vendangeuses, entre guillemets,
Et petit à petit, bon, ben, les femmes se sont fait un nom et se sont fait une place. Alors, est-ce que tu as observé, toi, cette construction, cette évolution ? Alors non, moi, j'ai eu la chance d'arriver, d'arriver ici, dans le département, et de travailler avec mon mari au départ, tous les deux à la cave. Donc, on était un binôme et j'ai jamais ressenti de... même de la part de la famille autour ou des gens qui nous connaissaient, de cases en disant ben, l'homme fait tel métier et la femme va être plus au commercial et l'homme va être plus à la vigne ou à la cave. Non, c'était moi qui étais à la cave et ça se passait très bien. Après, c'est sûr que l'évolution fait qu'au départ, on était plus sur le vin comme un breuvage, mais juste un breuvage et qu'après on a recherché le plaisir dans le breuvage. Donc c'est ça, l'évolution des goûts et l'évolution de la vie fait que quand on boit un verre de vin, on cherche quelque chose qui nous plaît et quelque chose de qualitatif. Donc l'histoire de la villageoise au départ, ça existe encore, hein. Il faut savoir qu'au niveau de la mutualité sociale agricole, on doit normalement donner 2 litres de vin par jour à nos vendangeurs. On parle en litres de vin, on ne parle pas en qualité. Moi, ceux qui viennent chez moi, je leur dis, écoutez, vous n'aurez pas 2 litres de vin, mais à la fin, vous aurez tous les jours pour le repas du vin en bouteille, et à la fin, vous repartirez avec quelques bouteilles de vin que vous choisirez. Mais je ne vous donnerai pas 2 litres de vin par jour, quoi. Voilà, cette notion, elle existait et elle est encore d'actualité, hein, alors qu'on est dans un milieu où normalement on nous dit qu'il ne faut pas trop boire. Voilà, c'est un peu un paradoxe. Après, je ne sais plus quelle était la question. Moi non plus. Non, mais... mais c'était parce qu'en fait, tu as répondu à la question en disant que tu n'y répondrais pas puisque tu n'as pas bossé en CAFCOP dans les années 50. Voilà, je n'ai pas bossé en CAFCOP dans les années 50. Et puis... moi, dans mon parcours personnel, je crois que je l'ai déjà dit et je le dis à chaque fois, j'ai jamais eu de refus de discuter avec moi parce que j'étais une femme, de refus d'accepter ce que je disais au niveau des vins parce que j'étais une femme, et j'ai jamais ressenti de cases dans lesquelles on me mettait parce que j'étais une femme. Après, j'ai des amies, eux, bourguignonnes, qui ont repris le domaine de leur père, qui au départ me disaient que quand elles allaient à la cave, et que c'était l'époque toujours gênante quand on est une fille, ça arrive une fois par mois hélas, on l'empêchait de rentrer dans la cave, parce que les anciens lui disaient « tu vas faire tourner le vin » quand elle avait, quand elle était en période de règles. Voilà. Et ça, elle me disait « je l'ai connue avec des anciens ouvriers de son père, etc. » Bon, c'est vrai que ça peut nous faire sourire maintenant, mais il y a tellement d'idées préconçues qui sont véhiculées de toujours, que ça n'était juste une de plus. Oui, c'était à l'époque où sur les caves, il y avait des chouettes clouées aux portes et où on refusait les lapins sur les bateaux. Enfin bon, bref. Donc on va suivre, mais après vous pourrez dialoguer entre vous, vous relancer, etc. Voilà, vous avez... Non, attendez un peu, soyez patient, merde. Donc toi, tu es dynamisatrice de la cave de coopérative de Caisse de Peine, donc on n'est plus dans les années 50, où il n'y avait pas une femme, c'était vraiment un truc brutal d'homme. Alors, est-ce qu'ils nomment des femmes parce qu'ils sont désespérés ou parce que tu es performante ? Bah, j'espère qu'ils ne sont pas désespérés, et puis j'espère que je suis performante aussi. Mais non, le temps répondra à cette question. Non, je pense que... moi, dans mon effectivement... Parce que c'est une cave coopérative, donc on n'est pas dans un domaine, et tu n'es pas la seule femme à y bosser, ce me semble. Oui, tout à fait. Au niveau du domaine, on était quand même 3 femmes, donc 4 même... plus moi, donc ça faisait 5. Donc effectivement, les femmes ont leur place au niveau de la vente. Je veux dire, l'accueil est toujours chaleureux, souriant. Elles connaissent leurs produits aussi bien qu'un homme. Hein. Donc le contact se fait très bien, que ce soit une femme ou un homme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas eu de problème non plus dans mes débuts, lorsque je me suis investie dans ce milieu. J'ai pas eu de rejet de par le fait que j'étais une femme. Non, ça n'a pas...
Je pense que je suis arrivée aussi relativement tard, à une période aussi où les femmes étaient rentrées dans... Voilà, étaient bien en place. Oui, c'était normal, un tonneau, une femme, un tonneau, une femme, quoi. Ça passait très bien. Ouais, donc, non, moi, j'ai pas ressenti. Bon, il faut dire que j'ai fait l'armée aussi. Ouais. Donc, là, j'ai ressenti, par contre. Le côté, Quand on disait, mais tu seras jamais un homme, putain. Mais oui, et je me suis battue pour prouver le contraire, mais effectivement, je n'en suis pas un, physiquement parlant. Mais après, je pense qu'on a aussi une persévérance, une capacité à pouvoir avoir cet esprit de compétition. Et puis, je pense que plus justement on est comparé aux hommes et plus on a envie de prouver qu'on a notre place. Donc c'est un... J'aime les challengeants et voilà, donc je pense qu'on le prouve jour après jour et de plus en plus de femmes sont dans ce milieu, quoi. Donc c'est qu'il y a des raisons, quoi. D'accord. Alors on va demander à Sylvie Aguirre pourquoi elle s'est sentie obligée d'appeler son blog « Le vin compté aux filles » parce que genre elles n'étaient pas au courant, fallait faire un peu de pédagogie pour qu'elles se mettent à boire autre chose que du Malibu Coco et du Baileys. Donc tu t'es dit... C'est pas la raison qui m'avait motivée. Ah d'accord, non mais je sais pas, moi je... Tout à fait, non. Alors, moi c'est plutôt lié à un constat où effectivement c'est un sujet qui reste un sujet masculin. En tout cas, les hommes se l'approprient facilement. La preuve, c'est que si on a la conférence ce soir, c'est qu'il y a bien quand même quelque chose qui... Non, qui c'est parce que je suis macho que je me pose des questions. Mais... En fait, non, voilà, le sujet pour la plupart des hommes paraît normal, donc on se l'approprie. Si on fait une dégustation, quoi qu'il arrive, on sait, l'homme sait, hein, même s'il n'a jamais appris à déguster. Et voilà, c'est comme ça, hein, y a des choses innées, il faut croire. Bah, évidemment. Et donc, bien souvent, les femmes, lors d'une dégustation, hormis celles qui dont c'est le métier, n'osent pas s'exprimer. Ou alors vont dire oui, ça me plaît, mais bon, ne vont pas oser. Ouais, le vin est blanc, tout ça, en fait. Voilà, donc c'est ça. Et donc je me suis dit, il n'y a pas de raison, c'est pas une histoire de capacité, on a les mêmes et même donc mieux chez nous. Donc je voulais essayer de désacraliser un petit peu la dégustation, le milieu du vin, et de dire, les filles, il n'y a pas de raison, vous pouvez venir apprendre à déguster. Et pour permettre à ces dames de s'exprimer, parce qu'effectivement, si on a quelques hommes dans la dégustation, eux s'expriment beaucoup plus et elles n'osent pas, j'ai pu le constater. Donc l'idée, c'est de rester entre femmes pour qu'elles puissent s'exprimer et apprendre effectivement à déguster. Et ensuite, quand elles seront préparées, je pourrais les lâcher dans la nature avec des dégustations mixtes. Voilà. C'est comme les vieilles dames qui font du jujitsu, elles deviennent dangereuses à leur tour. Voilà, l'idée du blog, c'est parti de là. Et puis voilà, une envie de revenir à mes premières amours, parce que c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu éclectique et que... Ça me manquait et je crois que voilà, le premier choix était le bon, c'est ce qui me convient. Et donc je fais partager dans mon blog hein, avec des articles et puis des cours virtuels de dégustation. C'est pour ça que je m'appelle maintenant plus sommelier mais créatrice d'ivresse avec le E tiré, voilà, comme tout ce qui touche à Internet. Mais je ne fais pas que du virtuel, ça serait dommage, donc j'organise aussi donc des dégustations entre filles, chez des vigneronnes qui veulent bien m'accepter, dans des caves qui sont prêtes à ouvrir les portes, et voilà, ou dans certains caveaux de Perpignan. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la dégustation les hommes et les femmes. Alors, c'est vrai que j'aime bien commencer à dire que, pour moi, il n'y a pas de différence, hein, que ce soit clair, mais bien sûr qu'il y en a, parce qu'on a des sensibilités différentes. Il n'y en a pas qui vont être mieux que d'autres, mais il y a forcément des différences. Mais c'est vrai qu'au niveau de la dégustation, quand un couple vient, c'est souvent monsieur qui connaît le vin, le plus souvent, et madame qui est là et qui écoute. Et si je prends le temps de dire, mais voilà, qu'en pensez-vous? Vous, à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a plein de petits détails dans le vin qui ont complètement échappé au mari parce que lui part sur des choses qu'il connaît et dont il a l'habitude de parler. Et le vin, de toute façon, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et elle va trouver
au niveau des parfums, des saveurs, des odeurs, elle va dire « ah, ça sent ». Alors, au lieu de dire « c'est très fruit rouge », elle va dire « eh ben ça sent la confiture de framboise », parce qu'elle a le souvenir de la confiture de framboise que faisait sa grand-mère ou qu'elle faisait, ou je ne sais. Et c'est vrai qu'il va y avoir plus de détails et plus de finesse dans les arômes pour trouver les justes arômes. Mmh. Et c'est vrai que de ce fait, il peut vraiment y avoir un échange beaucoup plus simple. Parce que, ben voilà, on est là pour goûter, pour apprendre, et qu'elle est prête à se laisser faire et à se laisser amener vers là où le vigneron veut l'emmener pour, où la personne qui organise la dégustation veut l'emmener pour découvrir autre chose. Elle est moins influencée par l'étiquette, je pense. Elle est moins. Du coup, voilà, elle va parler plus de son ressenti. Parce que effectivement, l'étiquette ne va pas forcément lui parler, elle ne va pas avoir de comparaison toute prête ou, voilà, ou de connaissances déjà formatées. Il y a un peu plus de vérité, me semble-t-il. Après. Et c'est vrai que quand on va au restaurant, s'il y a un couple, effectivement, le serveur va faire déguster monsieur en premier. Ça, c'est automatique. Moi, là, je fais halte. C'est moi aussi qui déguste. S'il vous plaît. Après une prise de jujitsu, une clé de clavicule... Alors, il a compris, le monsieur, que c'est moi qui bois? Ben, c'est vrai que là où je suis passée, après, on fait déguster, mais bon. Mais c'est vrai que c'est un automatisme. On fait déguster monsieur parce que, voilà, il a les connaissances, apparemment, pour déguster que nous n'avons pas, soi-disant. Oui, de donc, la même manière qu'on n'a pas le sens de l'orientation, qu'on conduit du mal, on ne se connaît rien au vin, on est bien d'accord, mesdames. Voilà. Femme ayant bu au volant, mort au tournant, on est bien connu. Alors, maintenant qu'on a pelé tel l'oignon, les préjugés sur la femme et le vin, la femme fait du ski, etc., on va se lancer sur parler du vin, parce que quand même, c'est bien plus rigolo. Et on poussera même après à en boire, parce que vous avez vu, c'est bouteilles qui vous attendent de pied ferme, et vos pieds seront moins fermes une fois qu'elles vous auront attendu, et pas en vin, et ceci est une autre histoire. Donc... on est dans un département qui est producteur de vin. Oui, ben ça, je t'imprends rien. Ça, je sais que tu sais, c'est pas ça. Mais on ne sait jamais. Je me dis quand même. Mais on est passé, comme je disais, dans les épisodes précédents, à un vin tout venant, sauf le Muscat Rivesal, pour le dire vite, et le Banyuls et le Mory, les vins cuits qui avaient de la renommée à l'extérieur. Naturel, hein. Non mais oh. Les hommes savent, connaissent. Rembobine. Moi, je bois de la vodka et du liquide de frein de tank, hein, donc... Bon, on reviendra. Tu me laisses terminer. Moi, je l'aime bien, mais des fois... Avec des domaines, des CAFCOP qui sont peu à peu mortes, donc regardez-la bien, elle va peut-être disparaître. Oui, non, mais... et des domaines de vin qui ont succédé pour faire plus de qualité. Je sais que tu fais de la qualité. Nous sommes encore là, c'est qu'il y a une raison quand même. Donc on va commencer par les domaines et je te passerai la parole. Ça t'évitera de de parler derrière. Frédéric. J'ai toujours pas compris la question. Alors moi toujours pas non plus, mais... Mais évidemment, penses-tu... Alors non, je sais pas quelle était la question, mais je vais rebondir oui. sur quelque chose que tu as dit. Oui, rebondis. Tu as dit buveur de vin doux naturel ou d'alcool fort. Bon, bah, il faut on est savoir passé d'une production même... qui n'était pas de qualité en vin, en gros, qui était grossière, à quelque chose alors, de plus moi, ce que subtil. Je voulais rebondir sur les alcools, c'est que moi, mon grand-père distillait et j'ai toujours aimé les alcools blancs, j'ai toujours aimé les alcools forts. C'est pas qu'une boisson d'homme. D'accord. Voilà. Gaëlle vient de travailler dans une cave. Elle avait plus de 100 ou 200 références de whisky et de rhum. C'est pas qu'une boisson d'homme. Alors après, la qualité la des vins du part. Département, oui. Elle est là. Elle est là, mais après, si on veut parler de ce qui nous amène ici ce soir, le côté féminin, masculin... Bon, avec les vins d'ici, je sais pas trop, parce qu'on peut avoir non, là, je voulais parler de vin. Je parlais de vin d'ici et cette transformation qualitative qu'on a eue par rapport à ce qu'on faisait avant.
On a eu des gens qui n'étaient pas issus du vin, qui sont revenus à la terre, parce que je vois pour les Parcés, ils avaient tous des professions, les frères Parcés, et puis la grand-mère est morte, ils se sont retrouvés avec un domaine. C'est possible, oui. Voilà. Après, il y a des domaines, il y a des héritages, il y a des personnes qui viennent ici sur un deuxième métier, qui décident d'être de vignerons ou vigneronnes, et de, par passion ou par envie ou par besoin d'évasion un peu aussi, parce qu'on parlait du vin, bah le vin c'est une évasion, hein, c'est vrai, hein. C'est pas seulement un accompagnement, c'est à chaque fois, chaque vin amène une part de rêve de par les explications qui vont être données de celle ou celui qui le vinifie, une part de rêve de par les jolis rêves qu'on fait après avoir bu quelques verres, et puis une part d'évasion parce que ça nous fait visiter telle ou telle région en fonction de ce qu'on va goûter, de ce qu'on va chercher à connaître. Et on en a besoin de cette part d'imaginaire, de cette part de plaisir, tout simplement. D'accord. Alors on va régler nos comptes avec la fille à côté. Je vais prendre cher. Non, penses-tu, je suis d'une délicatesse. On ne m'appelle pas le boucher pour rien. Donc, il n'y a pas de vin cuit, on va commencer par là. Oui, il n'y a pas de vin cuit, effectivement. Vin cuit, non, on ne cuit pas le vin. Oui. Du moins pas ici. Nous, effectivement, on a des vins doux naturels. Voilà. Ça, c'est vrai. Et donc, est-ce que ça, c'est un vin de fille, justement, comme c'est sucré, Rivesaltes, tout ça Non, tu dis ça. Et puis, il y en a qui sont pas du tout, effectivement, adeptes de vins doux naturels. Donc, pour revenir à ma cave coopérative, qui est une petite, qui est toujours là, qui fait 15 000 hectolitres, donc à petite production. Ouais. Donc, effectivement, cette cave coopérative ne faisait qu'exclusivement des vins doux naturels avant. Donc, il y a eu un gros, gros travail effectué sur le domaine pour pouvoir faire le trois quarts de notre production des vins secs. Donc les vins doux naturels, il y a un potentiel énorme qu'on peut exploiter effectivement, puisqu'on a des quand même c'est notre patrimoine. Enfin, on est seul à le faire ici, les vins doux naturels, les muscats, les ribosaltes, les bagnoules, les mouris, et d'autres encore. Je pense que ce sont des vins qui sont aussi bien adaptés aux hommes qu'aux femmes. Le côté sucré, je mange pas de dessert par exemple, donc je suis pas dans le sucre du tout. D'accord. Donc vraiment, c'est pas un automatisme que ce soit forcément pour une femme, quoi. D'accord. Alors la CAF coopérative, justement, non, c'est intéressant parce que elles ont décliné, elles ont eu des dettes, etc. Et est-ce que le fait qu'Aise de Peine survive, alors on a l'exemple d'Ambre et Castelmore qui est du côté de Carcassonne, ce me semble, où ils ont eu une communication, notamment au niveau des étiquettes, par un certain Vincent Pousson qui a fait, au-delà des vins qui sont bons, un bon rapport qualité-prix et une esthétique qui les a vendus. Vous, est-ce que vous avez résisté justement parce que Small is Beautiful et que c'était plus facile à transformer que si vous aviez été une grosse cave produisant des hectolitres pour saouler les camionneurs polonais? Effectivement, on ne vise pas les Polonais. Donc le fait qu'on ait une petite production, c'est forcément plus facile à maîtriser. Et comme j'expliquais, il y a 58 vignerons à peu près chez nous. Donc seulement 7 vignerons fournissent vraiment le gros de la production en raisin. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus maîtrisable au niveau de la production. Donc on a un raisin sain qui vient en cave. On gère vraiment les moments des vendanges, ce qui nous permet quand même d'avoir déjà à la base un raisin de bonne qualité, quoi. On commence sur la base. Oui, oui. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on trouve le plus couramment dans les caves coopératives aujourd'hui. Peu subsiste, donc c'est vrai que... Donc c'est un modèle économique qui a périclité. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas su se mettre... c'est toujours compliqué, des personnes qui sont en place depuis X années, de leur faire changer leurs habitudes, je pense que c'est très compliqué. Nous, on a la chance d'avoir des vignerons qui sont très jeunes. Quand je dis très jeunes, la moyenne, c'est 35 ans, 40 ans.
ce qui permet aussi d'avoir des personnes quand même qui s'adaptent à l'évolution, qui sont prêts à investir dans des plantations nouvelles et à suivre notre protocole aussi de qualité, quoi. Donc voilà, ce qui fait qu'effectivement, on arrive, nous, en tant que cave coopérative aujourd'hui, à sortir de très belles cuvées. On fait quand même les trois quarts de notre production de l'AOC. L'autre quart étant du vin de pays. Alors, on va parler de communication autour du vin. Alors, parce qu'on est dans un pays qui est particulier, c'est-à-dire que simultanément, on est des gros producteurs de vin, et simultanément, il y a les lois et vin, et justement, ça n'a rien à voir, puisque on peut communiquer peu sur le vin, sans dire qu'il ne faut pas boire avec une certaine personne. Comment elle s'appelle déjà, cette nana avec qui il faut boire avec modération. Oui. Et parcimonie, c'est sa sœur. Mais elle a abandonné, elle était... Donc, est-ce que c'est pas compliqué, justement, de communiquer sur un produit dont on te dit, oui, mais quand même, n'en abuse pas, ça serait dommage. C'est plus facile de communiquer sur le hamburger que sur le vin. Alors, comment faire ? Alors, c'est vrai qu'on arrive quand même à un souci. Hein, on voit avec les personnes, notamment nos restaurateurs, ouais. Personnes avec qui on collabore, qu'il y a forcément un débit moins important. Hein, quand on sait qu'on risque son permis, qu'on j'ai beaucoup de choses sont quand même remises en question. Son mariage il y a plein de choses qui effectivement rentrent en jeu. Mais pour autant, on arrive aussi à trouver des idées autres, hein, comme le covoiturage, comme voilà, le fameux Sam qui sort mais qui ne voit pas. Donc il y a toujours après des solutions. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que la dégustation reste une dégustation. Le plaisir n'est pas bon dans l'excès. Donc, on peut se faire plaisir sans non plus abuser. Abuser des bonnes choses. Oui, voilà. Par rapport à la loi E20, en fait, je ne crois pas que pour l'instant ça touche beaucoup, par exemple, tout ce qui est Internet. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas faire des affiches buvées sur telle ou telle bouteille, mais tout ce qui est sur le net, et je pense qu'à l'heure actuelle, la communication digitale, c'est vers là qu'on tend. Alors on trouve effectivement tout ce qu'on veut en termes d'information. Chaque domaine a son site et explique ses vins. J'ai quand même l'impression que commercialement, à l'heure actuelle, le marché du vin se porte très très bien. Et chez nous particulièrement, on se rend compte que de plus en plus, on a par exemple des gens de Chine qui viennent goûter les vins du Roussillon parce que rapport qualité-prix excellent par rapport à l'argent qui est laissé dans le Bordelais. Donc je pense qu'on communique effectivement par le digital et du coup ça touche le monde entier. Et le marché du vin a l'air de se porter plutôt correctement. Oui, sur le tel point au Bordelais qu'une partie du Bordelais, un tiers, est fabriqué ici. C'est dire jusqu'où ça va. Un tiers quand même. Alors, non, mais je règle des comptes avec... C'est longtemps que je n'ai pas bu un bon Bordeaux, donc... Mise en bouteille à F30... Côte du Roussillon, mise en bouteille à F33, Gironde. Voilà, c'est ça. J'avais vu ça sur quelques étiquettes. Alors, Frédéric, vendre du vin dans un monde qui, sans le prohiber, commence quand même à nous courir un peu sur le haricot. J'ai envie de dire, j'ai pas vu de réelle différence entre il y a 10 ans et maintenant, au niveau des obligations, etc. On nous laisse, il faut se dire ce qui est, j'ai quand même l'impression qu'on, même si la loi E20 existe, on nous laisse une tolérance, tranquille avec nos vins et nos vins français, les productions. On sait que c'est, c'est le patrimoine. Un des patrimoines français. Oui. On voit que les climats de Bourgogne sont classés, viennent d'être classés à l'UNESCO. On voit que... Ça, c'est parce qu'ils vont disparaître avec les changements climatiques. Hein. C'est de la prévention. J'espère pas. Mais c'est vrai que le vin reste quand même un peu à part, toujours à part. Alors, il va y avoir des gens qui sont anti-alcool et anti-vin qui vont nous dire, mais vous ne vous rendez pas compte du mal que l'alcool fait, etc. Et moi, je leur réponds, je n'ai pas l'impression de vendre de l'alcool. Je vends du vin, un produit de la terre.
Je vends quelque chose qui peut être assimilé à de la nourriture, puisque avant c'était le cas, hein, le vin faisait partie de la nourriture, le vin est une boisson nourrissante, et on voit que des gens qui sont un peu anémiés, quand ils prennent un verre de vin par repas, ça leur redonne, ça leur rebooste les globules rouges, que ça leur fait du bien. Quelqu'un qui a un problème de vésicule ou de foie, j'avais lu que c'était un verre de champagne ou de vin pétillant, on va dire. Enfin voilà, il y avait tout un calendrier qui existait dans les années 50-60 où on disait telle maladie, tel remède, et c'était le vin en face et le vin de telle région, ou du vin blanc, ou du vin très tannique, ou du vin doux naturel, etc. Et à un moment donné, on ne pouvait plus le dire. Il ne fallait pas le dire que le vin était bon pour la santé. Donc on se retrouve avec ce fameux French paradox où aux États-Unis on nous dit « mais oui, mais votre vin français c'est super ». On ne comprend pas comment quelquefois on vous tape sur les doigts pour des choses qui nous sont déjà connues. Quand on dit « le vin c'est bon pour la santé », oui. L'abus, non, bien évidemment. Mais quel abus est bon ? L'abus de sucre n'est pas bon. Donc l'abus d'alcool n'est pas bon. L'abus d'eau n'est pas bon non plus. On voyait, il y avait une torture dans le temps. C'était, on mettait un entonnoir de l'eau. Le mec gonflait, c'était pas du vin. C'était pas bon pour lui pourtant. Il faut dénoncer les potomanes. Non mais, je veux dire, il arrive un moment... L'abus de lait et l'abus de lait, on ne parle jamais des gens qui abusent du lait. Voilà. Mais... oui, il y a une blague comme ça. Je ne sais pas si l'alcool rend malade, ou si l'alcool soigne, mais le lait, non plus. Quoi. Le lait ne soigne pas. Voilà, en tout cas, c'est vrai que on a toujours peur, quand on vient déguster du vin, de la répression qu'il pourrait y avoir derrière, ou du danger qu'il pourrait y avoir derrière. Bon, il faut savoir. Et puis, autre chose aussi, et c'est vrai que ce sont peut-être les dames qui font plus attention, c'est le côté alcoolisé de la bouteille. On regarde le degré et on dit 15, ouh là là. Oui, parce qu'ici, le soleil cogne. Vous n'avez pas du vin à 11,5, 12 dans la région, c'est difficile quand même. On a plus des vins qui arrivent facilement et naturellement à 15 degrés. Bon, il faut savoir qu'il reste quand même 85% d'eau, à peu près, hein, quand on a des vins à 15 degrés. Donc, on peut dire que quand on boit un verre de vin, on boit avant tout beaucoup d'eau par rapport à l'alcool. Voilà. Voilà. Et puis que quand on a un vin à 12 degrés et un vin à 15 degrés, la différence sur un verre, elle est pas énorme. Alors, c'est vrai qu'on a toujours peur, et par les répressions, et par le fait que si on doit conduire, on n'est pas forcément apte à le faire après plusieurs verres de vin. Bon, bah, le tout, c'est d'être raisonnable, et le tout, c'est de savoir que dans 12 centilitres, je crois, c'est la valeur moyenne d'un verre de vin. Bon, on peut... 24 centilitres, c'est deux verres, c'est quand même... Pas rien. Donc les gens qui viennent déguster, à chaque fois je leur dis, mais vous avez un crachoir, vous goûtez à peine de chaque vin, vous pouvez en goûter 3 ou 4 et vous n'allez pas être répréhensible ni par la loi, ni vous n'allez pas être sous non plus. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours cette peur associée à la dégustation. Et ça me fait penser à une campagne qui avait été faite par les vignerons indépendants, qui n'a pas duré longtemps parce que visuellement, elle n'était pas géniale, en fait. C'était qu'il mettait un crachoir et il disait, mais vous pouvez cracher, voilà. Apprenez à cracher. Bon, c'est vrai que visuellement, c'est pas top, hein, quand on y réfléchit. Mais le truc est là. C'est-à-dire que quand on goûte du vin, quand on doit, par exemple, après faire des commentaires de dégustation pour certains guides, on goûte 15, 20, 25 vins à la file. Et forcément, on est obligé de recracher et de garder que ce qui va... nous rester au palais, au nez. Le nez, c'est très très important dans la dégustation, tout le côté aromatique, parce que ça nous rappelle, ça nous ramène à des petites cases qu'on a, et c'est la fameuse Madeleine de Proust. On a tous des petites cases avec des souvenirs qui sont beaucoup plus olfactifs que gustatifs, et ça, ça nous permet de nous ramener à des choses plaisantes ou déplaisante. Voilà pourquoi des fois, juste le fait de prendre un verre de vin, de mettre le nez dedans, il y a des gens qui vont dire « Ah non, ça, j'aime pas ». Et ils ne vont pas forcément savoir pourquoi, mais la réalité est là. C'est que ça les ramène à une case de choses qu'ils ont goûtées ou, il y a fort longtemps et qui leur déplaît. Quoi. Et donc, pour en revenir au côté répression et à la loi et vin, il faut savoir que voilà,
12 degrés d'alcool ou 15 degrés d'alcool, ça ne fait pas grand-chose de différence sur un verre de vin. Et que dans nos régions où on a le soleil, un vin à 15 degrés ou 14, c'est quand même quelque part très, très riche et beaucoup plus mûr que ne va l'être un vin avec un degré inférieur à 12, par exemple. Donc après, il faut savoir dans quelle région on est, il faut savoir quel type de vin on veut goûter. Et puis... en fonction, on va être plus sur des vins avec de l'acidité dans le nord de la France. Et puis peut-être après dans le nord de l'Europe, parce qu'on va planter des vignes, c'est vrai, hein, de plus en plus haut avec le réchauffement. On va avoir des ici, ça sera, on fera du rhum bientôt. Alors, je voulais rebondir justement par rapport rebondis à, donc. Oui, par rapport à effectivement à la santé et la consommation de vin. Un célèbre docteur, c'était le docteur Parsé, hein, si mes souvenirs sont bons, avait sorti un écrit dans lequel il expliquait que les enfants un petit peu chétifs, il fallait leur donner du bagnouls. Les femmes enceintes qui manquaient de fer, il fallait leur donner du bagnouls. Alors maintenant, une femme enceinte qui boit, alors là, secours. Bientôt, on va les payer pour qu'elles ne picolent pas. Hein. Voilà. Donc c'est, quand elles sont enceintes, j'entends. Oui. Et les personnes âgées aussi. Donc on soignait effectivement, on retrouve encore en pharmacie le quinquina. Quinquina qui est quand même alcool, enfin il y a de l'alcool dans le quinquina. Oui, c'est du vin. Donc, avec des écorces d'orange à même. Il y a beaucoup d'alcool comme ça qui sont issus de recettes médicinales qui comprennent des plantes comme le bire, comme... je veux dire, il y a beaucoup d'alcool comme ça qui sont de tout temps indémodables d'ailleurs parce qu'il y a un grand retour des anciens alcools. Et donc, ils se portaient très très bien avec leur petit verre de rouge, leur petit bagnouls. Du coup, c'est vrai que maintenant, on tape un petit peu sur ces alcools-là, ce qui a été aussi le cas pour tout ce qui est absinthe. Il faut savoir que l'absinthe a été complètement retirée du marché pour simple histoire économique, finalement. Quand on y réfléchit, quand on apprend l'histoire de l'absinthe, c'est quand même une sacrée histoire. Et qui est de nouveau sur les marchés. Donc pourquoi aujourd'hui de nouveau on peut consommer de l'absinthe? Donc oui, il y a moins d'acétone aussi, hein, ça aide. L'absinthe, oui, non.